Le Grand Palais accueille ce soir le défilé de mode le plus attendu de l'année. Celui du grand créateur Gabriel Agreste. Qui dit grand événement dit invité prestigieux. Le maire de Paris, André Bourgeois, devrait assister au défilé accompagné de sa femme, la plus grande et très redoutée critique de mode. C'est bon, Marinette, c'est très bien comme ça, je trouve. Oh, Tiki, je sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que c'est le chapeau le plus moche de la Terre. Et c'est Adrien qui doit le porter devant tout le monde. En plus, il va m'en vouloir toute sa vie. Faut voir les choses enfin, je n'ai aucun talent. Et ce soir, tout le monde va s'en rendre compte. Mais non, tu es une super styliste, Marinette. Et surtout, s'il était si moche ton chapeau, tu crois que Gabriel Agreste en personne l'aurait choisi pour son défilé? Mais s'ils voient que c'est une plume synthétique et pas une véritable plume de pigeon, ils vont trouver ça nul, tu crois pas? Tu as bien fait de la changer, tu risquais de te retrouver avec la ligue de protection des pigeons contre toi, tu imagines? Tu as raison, de toute façon, j'ai plus le temps de changer quoi que ce soit. Le défilé est dans... Oh non, je vais être en retard! Viens vite, Tiki! Et voici l'invité d'honneur, reine incontestée de la mode internationale, incarnation du bon goût et directrice du magazine Style Queen, Audrey Bourgeois! Anthony, André, tu me feras le plaisir de renvoyer le chauffeur. Comment Gabriel peut-il tolérer une telle conduite? Oui, je suis d'accord. Oui, bien entendu, Audrey chérie. Oh non, c'est Audrey Bourgeois! La critique de mode la plus cruelle du monde! Je savais pas qu'elle serait présente! Qu'est-ce que c'est que ce tapis? Il est en tissu. Pourquoi n'est-il pas en marbre rouge comme je l'avais demandé? Vous admirez. Un tapis en tissu ridicule, totalement ridicule. Elle va détester mon chapeau, c'est sûr. Ne dis pas n'importe quoi. Courage, Marinette, tu ne voudrais pas faire attendre Adrien? Audrey, laissez-moi rappeler le slogan de votre magazine, Style Queen, tout le bon goût dans un seul magazine. Alors, dites-nous ce qui est de bon goût cette année. En juger par votre tenue, vous n'en avez aucune idée, ma pauvre. Mais bon, pour votre gouverne, la tendance de cette année, ce sont les paillettes. Les paillettes? J'ai pas mis de paillettes sur mon chapeau. C'est la cata. En tant que directrice de Style Queen, vous êtes le plus souvent à New York. Ça doit être une joie de retrouver votre famille ici à Paris. Elle est toujours très heureuse de me voir. D'ailleurs, maman, j'ai quelque chose pour toi. Clara, Chloé, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit cadeau. Oh, ce papier cadeau est aussi laid que ridicule, totalement ridicule, tu es virée. Hein? Tu ne peux pas renvoyer Chloé, c'est ta fille, je te le rappelle. Combien de temps comptez-vous rester à Paris? Le moins longtemps possible. Je vous remercie. Ce défilé est peut-être l'un des plus importants de la carrière de Gabriel Agreste, comme le prouve la présence d'Audrey Bourgeois. Le célèbre styliste, qui ne se montre jamais en public, sera-t-il présent pour l'occasion? Restez avec nous pour le savoir. Où tu vas comme ça? T'as entendu Audrey Bourgeois, non? Adrien ne peut pas défiler avec ça. Il y a pas de paillettes. Niveau tendance, zéro. Ah, enfin, vous voilà. Marinette, on n'attendait que vous. Mais le problème, c'est que je... Les loges sont par ici. Dépêchez-vous. Vous êtes en retard. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Maman, elle, c'est Marinette Dupincheng, une grosse nulle. Et ça, c'est un chapeau qu'elle a fait. Elle se prend pour une styliste. Elle l'a même signé, regarde. C'est pas moi, c'est une autre Marinette. Je voulais juste la porter à... Marinette, suivez-moi.